Allez, salut tout le monde, c'est Dark14 et aujourd'hui on s'attaque au premier épisode de Command Block, comment utiliser, comment avoir plusieurs Command Blocks. Donc vous allez voir, le premier Command Block, comme j'avais expliqué dans la présentation, ça va être les Tell Rows. Bien sûr, j'appuie dessus, pomme, commande dans la description, ça c'est juste un petit test. Et cliquez ici pour voir, aller voir ma chaîne. Donc je peux cliquer là, pomme. Ah mince, je suis mort. Bizarrement. Voilà. Tout simplement, donc c'est hyper simple, vous allez voir ça dans le long de cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Bien sûr, je vais pas vous écrire tout ça, parce que c'est vraiment compliqué, tout ça sera dans la description, mais je vais vous expliquer à quoi ça marche. Donc on va ouvrir le command block, donc voilà. Donc ceci est très long, donc c'est slash tell row, donc en fait c'est un petit message personnalisé, on peut mettre, on peut donner une action sur le message. Donc le joueur le plus près, ou n'importe quoi, ça peut être le joueur le plus près, aléatoire, ou tout le monde. Ou bien sûr tout le monde à la région, ou tout le monde à partir de cette coordonnée. Enfin voilà, c'est plusieurs trucs. Ensuite, ça sera un message de test. Donc voilà, vous avez le test. Le test qui ne sera non avec une commande. Genre par exemple, vous cliquez dessus, ça ne fera rien du tout sur commande dans la description. Ensuite, c'est on va mettre une petite virgule et on va mettre extra. Donc extra, ça va être le test qui va être avec une action. Donc voilà, extra, voilà. Deux points, le texte qui sort avec une action, donc ça va être ce texte là. Cliquez ici pour aller voir ma chaîne YouTube. Voilà. Donc ce texte là, ça va être le texte où on va appuyer pour donner une action sur le texte. Sur, donner en fait une commande. Donc en fait, on va donner un clic, donc le click event. Donc ça donne un clic. Voilà. Et l'action, c'est une command block. Donc en fait, quand vous cliquez, ça va faire marcher par exemple une command block. Voilà. Et la valeur du command block, par exemple qui sera là, ben, c'est un slash kill. Voilà, tout simplement. En fait, quand on clique sur la commande, et ben ça nous fait un slash kill. Donc on meurt. Donc voilà, déjà terminé pour le premier épisode. Bien sûr, tout ça sera dans la description. Toutes les commandes. Donc merci et on se retrouve à demain pour le prochain épisode. Ou à plus tard si vous regardez la vidéo un peu plus tard. Non, allez, à la prochaine les amis.